Salam alaikum Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens et africains. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et félicitations au Napoli pour son titre. Donc ils ont remporté la Coupe d'Italie contre la Juventus, donc 0 à 0, et ils ont remporté le match au tir au but 4 buts à 2. Donc ça fait plaisir pour le club de Napoli, pour les joueurs africains évoluant au Napoli et notamment. Bien sûr, Ounes qui est revenu à Naples de prêt, même s'il va être à nouveau prêté, je pense. Et surtout pour Roulem, même s'il n'a pas joué, et Koulibaly, voilà. Donc ça fait vraiment plaisir pour ces joueurs-là. Un titre de plus, bon, c'est pas le championnat, mais bon, c'est déjà ça, c'est une bonne chose. Surtout après la saison compliquée du Napoli. Faut pas oublier qu'ils sont toujours en course en Ligue des Champions, hein. Ils joueront début août donc le match retour contre Barcelone. Donc voilà, bah, écoutez, félicitations, une fois de plus. Ça fait vraiment plaisir, ils le méritent, le peuple napolitain le mérite, les supporters du Napoli le méritent, la ville de Naples le mérite. Et un titre de plus pour Fawzi Roulem, hein, parce que malgré les blessures malheureusement, et dire qu'il était vraiment à un niveau exceptionnel lors de sa blessure contre Manchester City, il était vraiment arrivé à un certain niveau. S'il s'était pas blessé, je vous le cache pas, hein, il aurait été vendu à un très 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 gros prix à un autre club. Hein. Je vous le cache pas. Mais bon, c'est le mektoub comme on dit chez nous. Donc félicitations à Napoli et puis ben, on se retrouve, inchallah, pour une prochaine vidéo. Salam alaikum. Et forza Napoli.